Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Un oasis d'horreur dans un désert d'ennui. Faites pour égayer l'ennui de nos passions. Et ses sens par l'ennui mordus. Des plaines de l'ennui profondes et désertes. Et promenant l'ennui de ton regard profond sur l'esprit gémissant en proie aux longs ennuis, s'ennuie avec ses chiens comme avec d'autres bêtes, l'ennui, fruit de la morne incuriosité. On peut aller regarder à celui-là, tiens. Rien n'égale en longueur les boiteuses journées. Quand sous les lourds flocons des neigeuses années, l'ennui, fruit de la morne incuriosité, prend les proportions de l'immortalité. Désormais tu n'es plus aux matières vivantes qu'un granit entouré d'une vague épouvante. Assoupi dans le fond d'un Sahara brumeux, un vieux sphinx ignoré du monde insoucieux, oublié sur la carte et dont l'humeur farouche ne chante qu'au rayon du soleil qui se couche. Mais il y en a d'autres, il y en a d'autres. Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu'en ses ennuis, tchagum, la cloche fêlée, la honte, les remords, les sanglots, les ennuis, irréversibilité, et plonge tout entière au gouffre de l'ennui, le possédé. Tes yeux sont la citerne où boivent mes ennuis, sed non satiata. L'ennui rend ton âme cruelle. Durant les noirs ennuis des neigeuses soirées, derrière les ennuis et les vastes chagrins, et quand je m'ennuierai de ces farces impies, et puis évidemment, il ferait volontiers de la terre un débris, et dans un bâillement avalerait le monde. C'est l'ennui. L'œil chargé d'un pleur involontaire, il rêve d'échafaud en fumant son hookah. Tu le connais, lecteur, ce monstre délicat, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Alors sur mon petit iPad, j'utilise sur scène, par exemple, c'est pour ça que je mets affichage blanc sur fond noir, qui n'est pas les reflets. Mon petit iPad de compagnie, j'ai ouvert les fleurs du mal, j'ai cliqué « ennui » dans la barre de recherche, et voilà. Parce que pour moi, le mot « ennui », c'est Baudelaire. Alors, l'histoire, hier, Libération, publie un petit entrefilé dans lequel il y avait une incitation à aller voir mes consolations, mes Proust consolations. Gloire à eux, c'était hyper gentil. Wow, les stats ont grimpé d'un coup. Comme si plus des messages « Oh, je découvre votre chaîne !» Comme Christophe Colomb quand il découvre l'Amérique. Il n'y avait rien avant. Non, bah, c'est pas grave, je suis content. Et le titre de cette... C'est bien, je suis vraiment content. Le titre de cette rubrique, c'était « En guerre contre l'ennui ». Et j'avais pourtant déjà en tête ce mot « ennui ». Pas trop envie d'ouvrir la trappe un peu par culpabilité, c'est ce que c'est le mot, mais je vois bien comment chacun vit dans les petits espaces, quand tu es en ville, le voisin qui fait de la musique trop fort, la perspective sur rue qui bouge pas, supporter, bon là, tout est loin. Et puis, l'ennui, ça vient de quoi aussi ? Il faut occuper les enfants, ils tournent autour de... Ils se heurtent au mur. L'ennui, c'est la rage de ne pas pouvoir faire ce qu'on veut faire aussi pour soi. Ça, c'est beaucoup de copains aussi. Alors évidemment, quand toi, tu es dans le même isolement, mais que c'est... aussi depuis longtemps ton lieu de travail et un travail qui suppose comme ça, ces longues périodes avec du silence et de la distance, bon, c'est plus facile que pour les copains profs qui sont astreints, continuité pédagogique, on savait même pas le mot encore
il y a 3 semaines, ce truc d'artificialité, d'un métier tout en relation, en corps, mouvement, partage de parole, et puis tu as plus que ces exercices sur écran. Donc, plusieurs copains, ça revenait aussi dans nos petites chroniques, là, la petite chaîne Pneumatique Cinéma, que l'ennui, on n'avait pas encore connu. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, ça peut te sembler, ce désert, cette oasis vide de Baudelaire. Et puis, finalement, tu arrives au soir, tu n'as encore pas fini, parce que tu as ouvert des trucs plus longs, tu les prends. Tu sais qu'il n'y a pas cette contrainte des butées. Et donc se dire, on va ouvrir Ennui chez Littré. Et Littré, il s'arrête à Chateaubriand. C'est-à-dire que Littré, il ne connaît pas Baudelaire. Et l'ennui de Baudelaire, c'est autre chose. Tu regardes le monde de façon blasée. Tu ne t'intéresses pas au monde parce qu'il y a des choses plus noires, profondes, aiguës qui te requièrent à l'intérieur. Et donc l'ennui de Baudelaire, c'est une valeur hautement romantique, qui n'est pas exempte de posture. L'ennui, on ne condescend pas à ce qui amuse les autres. Donc j'avais envie de revenir à cet ennui, la fleur du mal. L'ennui, fruit de la morne incuriosité. Et nos curiosités, c'est plus tout à fait les mêmes, parce que les tâches volontaires, tiens, je vais me mettre à lire ça, ça marche pas, c'est pas ça. Par contre, dans cette sorte d'ouverture et de disponibilité, il y a des choses qui remontent, et c'est une curiosité qui établit son camp là où on ne l'avait pas prévu, une curiosité lente, mais une curiosité où on est happé dans le fond de soi-même aussi. Ah bon, il est temps de s'y coller au Littré. MNOPSTRUPQRSTABC. Il est là. CDEFGH. DE. Éon. Entreprise. Il s'ouvre sur le mot entreprise. Ça existait déjà. Entre poursuivre. Entre fâcher. Entre faire. Entre fesses. Entre festoiement. Oh, il y a tout un paquet de pages sur le mot entre consoler. Nous nous entre-consolons. On a eu un peu tort de pas entravailler. Se dit des oiseaux qui sont représentés les ailes éployées, mais avec un bâton passé entre les ailes et les pattes. Ah, terme de blason. Entracte, nous sommes dans l'entracte. Entiché, entier. Entéléchie, entendement, ensorceleur. Ah là, je suis avant. Enluminé, enligné, ennuyeux, ennuyé, en quête, enquinaudé, enracination, enraciné, ensauvagé. Ça ne doit pas être loin. Enlacé, ce qui manque. Enlevé, enjambé, enivré. Ah, tiens, là, c'est pas loin de Baudelaire non plus. Énigme. Énigme, enlèvement, enlevé, qu'est-ce qu'on s'enlèverait bien de la condition présente ? Ennobli, il y avait ennemi juste avant, l'ennemi du temps de chiffler, la prononciation ennemi était reçue à côté de l'autre, oh, celui, celle qui est quelqu'un et cherche toutes les occasions de lui nuire, juste avant ennui. Ennui, au prononcé comme dans antérieur. Tu penses à antérieur et tu as comment il faut prononcer ennui. 1. Tourment de l'âme causé par la mort de personnes aimées, par leur absence, par la perte d'espérance, par des malheurs quelconques. Le roi même arrivant partage leur ennui. Corneille, Oedipe. Adieu, je sens mon corps qui se gonfle d'ennui. C'est de tous les ennuis l'ennui le plus sensible. Ce n'est qu'avec le temps qu'un grand ennui se passe, Kino. Un fou rempli d'erreurs que le trouble accompagne en vain monte à cheval pour tromper son ennui. Le chagrin monte en croupe et galope avec lui. Boileau. C'est pas facile ça quand vous avez des
hons et des houx que le trouble accompagne en vain monte à cheval pour tromper son ennui. Le chagrin monte en croupe et galope avec lui. Hey, Boileau, il y a toujours quelque chose là-dedans. Sa mort avancera la fin de mes ennuis, Racine. Donc il y a d'abord un sens lourd à ennui, qui est presque parce qu'ils ne savent pas encore dire un deuil. C'est la fonction du deuil. La vie est-elle... Ah, il me manque un truc là. Ah, c'est un petit défaut d'imprimerie. La vie est-elle toute aux ennuis condamnés ? Il faudrait mettre l'accent sur toute. La vie est-elle toute aux ennuis condamnés ? L'hiver ne glace point tous les mois de l'année. Chénier. Littré, il y a toujours un petit faible pour Chénier, comme moi. Deux, sorte de vide qui se fait sentir à l'âme privée d'action ou d'intérêt aux choses. Ah là, on a le mot ennui au sens presque Baudelaire, ou le nôtre. Sorte de vide qui se fait sentir à l'âme privée d'action ou d'intérêt aux choses. Donner, causer, avoir, éprouver de l'ennui. Un ennui mortel. Quand on se verrait même assez à l'abri de toutes parts, l'ennui de son autorité privée ne laisserait pas de sortir du cœur où il a des racines naturelles et de remplir l'esprit de son venin. Pascal, dans l'Orient désert. Quel devint mon ennui dans l'Orient désert, quel devint mon ennui. Ah, c'est Andromaque, je suppose. Non, Bérénice, Racine. Et là, je ne sais pas si même dans ce grand article de Proust sur Baudelaire, ce n'est pas un des vers qu'il cite de Racine comme là où Baudelaire aurait pris ses sources. Dans l'Orient désert, quel devint mon ennui. L'ennui est entré dans le monde par paresse. La Bruyère. Fénelon, est-ce qu'on aurait dû bosser ? Non, mais on a un Buffon. L'ennui, ce triste tyran de toutes les âmes qui pensent, contre lequel la sagesse peut moins que la folie. Ting. Rosine, l'ennui me tue, Figaro. Je le crois, et il n'engraisse que les sots. Beaumarchais. C'était un rassemblement de commérages, une collection d'ennuis, tout à la fois divers et monotones. Madame de Staël, on a bien tort de ne pas mettre aussi haut qu'elle le devrait. Histoire, il y en a un au XIIe siècle, dans une traduction des psaumes. Sommeilla la mienne âme par ennui. Tiens donc. Amour m'a fait oublier l'ennui qui longtemps m'a mort coussi. J'arrive pas toujours à lire les citations de Littré en vieux français. D'ennui et de paour était au cœur moult détroite. Ça non plus, je sais pas d'où ça vient. Ours ni lion n'est ni bête sauvage. Qui telle fois est, ne freigne son vouloir de faire mal et ennui et dommage. Eustache le peintre. XVIe siècle. Petit ennui, un grand ennui apaise. Bref, sans ennui, trop fade serait l'aise. Clément Marot. Petit ennui, un grand ennui apaise. Bref, sans ennui, trop fade serait l'aise. On s'en tient là. C'est beau de finir avec Clément Marot. Ennuyez-vous bien.